Nous sommes là pour répondre à une invitation des communicateurs de l'UDPS. Oui. Donc j'ai été appelé et j'ai demandé évidemment à mes confrères journalistes de m'accompagner. Donc on a dit qu'on a bien UDPS, on a dit que maman a UDPS, Bandiwana, et Bélé. On a un communicateur, il y a UDPS. Bazaki a besoin de s'informer sur Makambo Oyo et les autres défrayés chroniques et défrayés chroniques ces dernières semaines. Donc j'ai jugé bon que Nassaloua l'élaborerait ses enfants. Je voulais leur parler devant témoins. C'est comme ça que j'ai demandé au confrère journaliste Boya pour avoir participé à ma solo Nabisona Bango. Nengenini, tout répondre Bango et puis ma Kamonine au Bango Bazaina. Voilà. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mwanamboka. Je tiens à vous dire sincèrement merci pour un bon travail que vous êtes en train de rendre à la nation congolaise. Et quant à moi et l'équipe de communicateurs, nous vous jetons des fleurs. Situation sur les Kalelo, autre monde m'a quel est le belé. Et pas une de Konabiso, je suis la lingette. Oya Kosala Moussala pour le côté l'image à Baninga. Toyoki Keno, Nicolas Kazadi. A tiens ma boko na kesa l'état de Miss Mosolo. On peut te comprendre. Tu as dit que Nicolas Kazadi, Azali ministre de la Finance. Tu as dit Makambotali Forage. Makambotali Forage, nous avons un ministère sectoriel. Où est-ce que chargé la bembe de Makambotali Forage? Mais on n'a pas compris. On se réveille un matin. J'ai la ligne directement bandit pour attaquer Nicolas Kazadi. Non, a dit Mosolo à l'état. Bon. Aïe, on se l'a fait par quelle magie on peut éviter. Maintenant, Akemba qui n'est pas IPG, procureur général, près la cour de cassation, procureur général, a tiré banana nous concerne le contrôle du ministère, il y a développement rural, ministère sectoriel, où est-ce qu'il y a un projet. Aboy. Bakteri, babalou qu'on manipule, confrère à un journaliste, n'a pas communicateur, n'a pas un abus. Bamani bango na rotana. Bavandi si bango tout que belé. Bakamani bango kanyaka poke no ba attaque mon amboka Nicolas Kazadi. Yango to mituni. Mais ce que les gens te le contrôle wana o mo le juge la lingette sali, et j'ai le contrôle sérieux. Pourquoi juge la lingette pas recruter batu a ka vraiment mon servir ndeko na biso o azali a chaîne ya bosolo na politique. Akamani mo so poke no. Bassel a maquillé les bélés. On a vite compris que non, Gilles Lalinguette, c'est un danger pour la République. Mais à Kolanda, je vais me compte dans mon zindo, dans ma gare à Kolanda, vidéo mon consulté, mais qu'on a mis sur moi-ci. Ou à salut mon salaire qui toque. Après, si Gilles Lalinguette, c'est un élément. Peut-être, avant que je vois l'éclaircissement par rapport à ma gare à la domaine de l'infrastructure. Mais Gilles Lalinguette, Alinga nonga ndeko na biso mwasi wana oyo akendaka mene banquete me ba rapport à cela qui est un rapport. Il a fallu que une dame oya dima rapport au PC ezali yangote ezali rapport moko boye ezali mbinga mbinga ezali malamu te mais non la kofunda yo pour que retourne mon rapport à malamu pour toi et bon timbu malelo que on voit ba non na chine. Nous avons eu 7 milliards de dollars. Et donc on a dit sur moi à ça il y a rapport. À ce qu'il y a un inspecteur, il y a un contrôle. Bah, comparé au rapport publié par Alinguet il y a le 15 février 2022, bah, on compare même des commandes de différents ces années. Bah, constater qu'il y a 550 millions de dollars au Bundaki. Mais Alinguet a un acquis en voté. Maintenant, t'as vu le tout là. Alinguette, sa mission est de contrôler. Contrôler la Kenda Kosala parce qu'il fait beaucoup de bruit. Contrôler la Alinguette à Kenda Kosala. Dans la société de l'État, dans le ministère, on n'arrive pas à comprendre. Parce que ça a un décor, un moi sur cela. Après, c'est un éclaircissement. Et il a donc, elle a fait 3 jours, dans l'inspecteur de la finance, a donné ce rapport valable à Pessi. Mais nous, c'est là. Alinguette, nous avons là. Normalement, il n'y a pas de tournée. Alors, il y a 20% de l'argent de tournée, il y a 20% de l'argent. Il y a 20% de l'argent,
collectif. Il y a bateau qui souligner pour faire la moussala. Mais vous savez maintenant, on a dit que c'est la moussala qui est un viseur. C'est la moussala qui est. Mais normalement, moi, je suis là, et puis ça est. Papa, on a pour moi là. J'ai la lunette à boire pour après, c'est une bonne habitude. Moi, je suis là, après, c'est mon son. Là, nous sommes là, ça l'a qui. Et, tu as beaucoup constaté vraiment mon amour comme un chiban que ce que tu fais, moi, je suis là. Ma belle Zali. Ma belle Zali. Et ce que tu as dit, la lunette à Bandakina. De côté nous, moi, ministre, l'ancien ministre a répété à qui n'a pas de problème. Tout le monde peut se rapport à la sécurité. A Bani, il y a Nicolas Kazadi. Et tout le monde a un rapport final à la tu as la bataille exactée. Maintenant, tu vois comment tu as un peu de à Munguna. Alors, ça a été terminé l'image à mon cousin. Parce qu'il y aura un moment donné à l'ingé, tu as démissionné. Il va déposer sa démission. A quoi démissionner, à quoi maintenant, j'ai dénoncé, par contre, tu n'as pas pensé ça. Mais non, vous savez, on a dit que c'était. 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 Vous savez, dans le temps, les gens ici étaient protégés par le chef de l'État. C'est simplement une démarche. Il y a Jules Alingeté. Tant que vous avez attaqué le monde, on a battu un an de collaboration. Moi, si on a dit que c'était. Moi, c'est lui, et les gens, moi, si, à Tchèma Yélé. A travaillé, a travaillé. A personne qui a donné. A personne qui a donné. Pour les gens qui ont voté. Mais au Congo, on a eu. On a eu un peu de temps. On a vu simplement. Nous sommes des véritables tissékédistes. Nous sommes des révolutionnaires. Nous disons non aux antivaleurs. On a eu un mot qui a dit qu'il y a un conseil là-dedans. Ils ont dit antivaleurs. Et nous sommes supportés. On a dit qu'on a eu un conseil que non. Il faut prendre des mesures pour que non, à l'ingéte déjà, avec les six camarades. Si les gens ne le font pas, bien déjà, on a l'impression de la position que non, nous sommes déterminés. Si c'est un jour moment, il y a qu'on arrive à Zéla, pour que non, à l'ingéte, on puisse la démissionner. Parce qu'on ne veut pas faire des traîtres, basé dans mon cousin Boka, mais basé du face. Et autre information, on a un Boka Mastibang, ma camarade libre à la pandeur. Tu dois comprendre que non, et Zali, Moutou. A l'ingéta Kolo Bakeno, Nicolas Kazadé, le ministre, il y a urgence. Mais, dans la société, nous sommes l'État, dans le ministère, au cours de la société, ceux qui ont l'ingéta peut s'accorder. Il y a un mot. Monsieur, il n'y a pas de forage. Monsieur, il n'y a pas de la pandeur. Même, il n'y a pas de autorisation auprès du ministre de Finances pour que Monsieur Bim. À cette façon, c'est que nous avons mis en motion la caisse à l'État. Il faut qu'une autorisation aille. Maintenant, c'est vrai que non, moi, il faudra que j'ai bimé le ministère de la Finance, moi, la pandémie, j'ai bimé le ministère de la Finance. Et on constate que non, dans ma camotale, il y a la pandémie, il y a trois sociétés. Il y a l'Iboché de Maki, pour nous, nous avons 21 000 dollars. Nous sommes sur 6 000 dollars. Nous sommes sur 4 000 dollars. Bon, 4 000 dollars, bah, salut Moussala et mon ami, bah, parce qu'il y a garantie. Il y a un entretien. Mais tout le monde a l'ingé ta bande, salut problème, ma casse, pour la monde euro, il y a 4 000 dollars. Mais on a 21 000 dollars, on a 6 000 dollars à le bien de côté. Paraît-il que non, la société euro, il y a 21 000 dollars, on va créer, moi, j'ai acheté 21 000 dollars. Moi, si j'agis la ligne, t'as la 4. J'ai dit, mais il paraît-il. Moi, ça j'ai la lingette à Zanakati. Les mots, bas politiciens, bas vilipendé chef de l'État du jour au jour, bas journalistes, ils sont payés à l'inspection générale des finances. Donc autant là-bas comboté. Voilà, pour respecter vraiment ma téléspectateur, donc autant là-bas comboté. Mais il y a des politiciens, non bas journalistes, bas vilipendé chef de l'État du jour au jour, ils sont payés par l'inspection générale des finances. Et les lois font relire la chaîne, mais la métoumi, toi tu es avec le chef de l'État. En même temps, je suis fini pendant mon consambour. Moi, je fous ta barre. Chaque fois, je paie sa barre au salaire. On n'arrive pas à comprendre. J'ai la lignette vraiment. Et on en a marre avec ce monsieur. Il doit déposer sa démission. Ceux qui ont sali en route, nous serons dans la rue pour que non, en tant que de véritables tissékédistes, pour te faire repartir. D'accord, merci beaucoup. Je pense que, quand on a vu ce journaliste, Bapandi Sango, Bazaliawa, Balandi, je suis venu
sur invitation à Bandeko Nabi, sur la UDPS, je vous ai fait venir avec moi. Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'honneur. Je pensais d'ailleurs, je voudrais vous remercier, chers frères. Merci. Parce que niveau Batoba Finger Libisson dans les réseaux sociaux, je pensais que la UDPS l'a narraté. Je pensais que la Union Sacrée et la carte de la population congolaise, nous n'avions que des gens qui ne comprennent pas. Mais je suis heureux de remarquer qu'au niveau de l'UDPS, vous avez un dossier et que vous êtes au courant de tout ce qui se passe. La question pour ajouter, et là, on voit que tu as maïl et sikoyo. Le lobby sur facturation, le lobby, on a mis la procédure d'urgence, mais l'élément où effectivement, c'est qu'il a attiré l'attention de l'abisso. Mon tournant à la IGF, avant mon lobby, la caisse de l'État, il a attiré que, et c'est qu'il a salanini, a signé. C'est-à-dire, mon lobby, la procédure d'urgence, avec Bima, il y a un numéro qui a signé. Mais comment se fait-il, à l'initiative de dossier la presse, pour la colobaké, bah il bimbongo. Soko mbongo et ibami. Donc il est parlé. Oui. Yami balé. Soko surfacturation et salemaki. Il y a ça la surveillance en amont et en aval. Comment se fait-il qu'en amont, dans la sagi surveillance, à mon équité que Biloko Bina Bizalaki surfacturé pour les lois aérosanini à l'Oba. Donc effectivement, nous avons remarqué en haut, tantôt dans IGF. Ali, Moto Ali, qui a déstabilisé le pouvoir d'un chef de l'État. Ali, Moto Ali, qui a lié à la Banguna. A Moto, qui a coopéré dans la M23 dans la Nanga pour que le bébé ça, Mokoyo. Effectivement, et le lobby, dans mon yango pe Ali Nanzela, il y a que un jour, avec la Mukape a démissionné. Donc, on a mis ça à compter sur la journée de Sekaniaka. Avant de dire que tiens, ma kele, il était dans l'ongwe. Donc il appartient à vous l'UDPS, il appartient à l'Union Sacrée, il appartient à tous ceux qui aiment le chef de l'État aujourd'hui de se réveiller et de se dire que le pays est en danger, le chef de l'État est en danger à cause d'un bateau qui a pris sa confiance, à cause d'un bateau qui a pris sa nzete, bateau qui a pris sa nzete, comme il est là qu'on critique, puis qu'on fout à la journaliste, ça va finir un chef de l'État, mais va finir un homme fort autour d'un chef de l'État. Donc je pense que ce que je peux ajouter à ce que notre frère a dit, c'est cela. Je vais laisser évidemment le temps aux journalistes de poser des questions et puis nous allons terminer. Ok. Et j'ai la série Moko à niveau pour la gestion de la ville province à Kinshasa. Bilina bilingo kotaki. Bah ici, j'ai la ligne de mon endroit, c'est la contrôle. Et on va contrôler tout le monde à l'autre côté. À ça, il semble qu'on tient à l'inspecteur des finances. Mais à un moment donné, on a aucune inspection de finances. Mais comme on a gentiment, chaque jour, on a bureau, j'ai la lunette. Mais la mitouri, à une coopération ou à un dégénin. Et à un moment donné, comment est-ce que non, dossier, on a contrôle à niveau de la ville province à Kinshasa et là, Tilelo. À travers là, on sent le contrôle qu'on a été. Non, ça veut dire que, net quand on a ma caméra lampadaire, au moins si na papa na IGF, il n'y a pas allé commerçante, na lampadaire. À facturer qui na lampadaire, mon co. Oh, na société ma belle tech, au bazali ma partenaire naie 21 000 $. Na société Moussousou Proton, au zali na banque moro awa de du pays na kati, batie 6 000 $. Nini nini ya sali contrôle te pour la reconstater surfacturation na bateau batie motango likolo koleka ya Solectra. On doit nous dire, il doit nous dire. Et puis une deuxième chose, moi je suis choqué de voir que la justice. Parce qu'on tire à tâton à IGF, à comme le roi président de la République. Pourquoi? Il y a Zali OPJ. Elle est montée à ressortir la contrôle. Puis à Kokamata Mikanda, à Kamouya Moni, à Kopesa na Zouzi. Zouzi n'a pas déclaré montée à Ali coupable, tout coupable, parce que d'abord, il y a besoin de la présomption d'innocence. Mais il y a Zali Zouzi, à Ali OPJ. Mikanda a Tindi. Naba conseil banquette à Tindi, naba Zouzi pour naba établir culpabilité, ton innocence na bateau, yé akokamata, abandi ko vilipande bateau dans les médias, soit disant que bateau na bazali ba détourneur. Comment est-ce qu'il peut être juge et parti dans des dossiers? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance dans moto, moi si na emo ali commerçante, naba lampadaire, ou ali ko funda bateau ke ba ibi, pendant que moi si na emo akouakamo, on a gouvernera ya ville ya Kinshasa, pour la côté de la lampadaire. Donc,
Makambona Nyonso, Ndezani Kolakisa que nous avons été face à une cabale au bateau Babongi Saki pour nous vilipender Félix Antoine Tshisekedi, oui. Pour nous vilipender le lieutenant Naye, pour tout le monde malam, n'est-ce pas que nous avons un mandat autobimi. Si le mandat du chef de l'État a été positif, c'est en partie grâce à Nicolas Kazadi. C'était l'un des acteurs majeurs dans le mandat du chef de l'État pour permettre que la réalisation est belle et salée. Et ma téléspectateur, vous évitez, dans le Kisabino Lelo, tant que vous avez bloqué Nicolas Kazadi à Kendate, et ça y est pour Nani, parce que la RDC devait signer un grand contrat. Il y a installation à 30 000 lampadaires dans la RDC Mobimba avec le gouvernement français. Mais quand il y a mandat, tu sais que des banda a signé l'issue pour la 30 000 lampadaires, il y a tia minda au Mobimba. Et vous créez des problèmes dans 2028. Le roi a ambition à candidat présent en 2028. Donc il fallait casser, il fallait nuire à la réputation du chef, il fallait nuire à la réputation de Nicolas Kazadi pour que. Ma contrat en écoufa. Pour ce qu'on a eu, que Nicolas Kazadi, Ali Motomabe, Mbongo et Bima Kindengeni. Pour y a moto signé pour Mbongo et Bima. Et c'est là que vous avez. Merci. Je vous ai suivi religieusement, surtout le monsieur de l'UDPS. Ma question est celle-ci. J'ai deux questions. La première, je vous ai adressée. Avez-vous mené des démarches plausibles auprès de l'inspecteur général, Jules Alinghetti, pour avoir de plus amples détails par rapport à tout ce que vous avancez comme argumentaire? Ça, c'est un. Deuxième question, notre n'est pas Eva et pas Maïs. Maïs, tant où on dit mis invitation à la UDPS, personnellement, particulièrement, qu'est-ce que vous voulez prouver aux membres de l'UDPS par rapport aux enquêtes que vous avez menées? Est-ce que vous avez des comptes à rendre à l'UDPS ou des comptes à rendre au peuple ou des comptes à rendre à Nicolas Kazadi ou des comptes à rendre à une tierce personne? Allô, en français. Par rapport à votre question, démarche à niveau à. Et c'est là que nous avons gagné personnellement. Nous avons mené des démarches pour nous contenir dans le niveau de l'inspection de la finance, mais nous avons gagné. Pour que nous soyons en mouton, la logique, nous avons présenté, nous avons dit que nous avons mouton, nous avons dit que 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 moi j'ai la lingette. Mais tu m'as dit que tu as un peu de linga. Et les gens sont en train de pas. Il y a bateau, il y a maillot, il y a mot carol. Bah, quoi, il faut que non. Azali Moutoua, pour rendre le chef de l'État mauvais service. Et son compte à lui. La lingette, il y a pour ça la maquelle, le bel et que je n'ai pas vu le dossier, à monter le dossier. Ministre Aïe le pèse. A quoi donne sa presse à Mokili Mobimbe. Il faut 24 heures refus. Maintenant, je comprends le thème. Mais comment est-ce que ma chère a tout le bac non? Tant que nous avons tout, nous sommes ici. Il y a dans le juge de la présomption d'innocence. Mais tu es un bataté. Moi, c'est le contrôle. On constate. Si quand je ne sais pas ma juge, comme je pense que la haute, on peut un jugement définitif. On va faire de la mouton à Zali Moïbi. Mais normalement, on a bandou. Pour la chère mouton à Yubi Mosoro. Dans ma région, c'est sûr, on va être en lutte. On ne peut pas se battre en lutte, on ne peut pas terminer l'image à Moutouana. Donc, on va dire, oh Moutouana, on va collaborer. Azali, pro M23. Il doit être arrêté. Azali, pro M23. Non, 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 non. Monsieur, il doit être arrêté. Non, monsieur, il doit l'arrêter. Et là, monsieur, qu'on appelle Perron Noir, Azali, la ration de la population de la Zambie, ce monsieur-là, il dit, non, ça fait un film de Kamoko Zamoka. Mais on ne regarde pas, mais c'est juste des finances. Donc on va non. Alinet ne veut pas nous intimider. Nous sommes déterminés pour le faire partir. Tu vas couper pour aller tout le monde. Tu vas couper. Tu vas couper. Mais tant que moi, je vais vous montrer à Banir Rocher l'aventure d'ailleurs. Mais je vais te mettre les mains. Tu as dit que cette fois-ci, on a un deuxième mandat Fati. Tu as dit que c'est une blague de thé. Il y a moi comment est-ce que non. Tu as un amendement pour que tu aies bâti comme le couteau.
Batika makambo madame okende kosala en même temps que le conseil chef de l'état que non Fatima Beton to ligne hors du machin, ce sont des traîtres. OK, pour répondre à votre question en français s'il vous plaît. Oui, en français. Ah bon. Pour répondre à votre question, je n'ai de compte à rendre à personne, je suis journaliste d'investigation. Et le journaliste d'investigation rend compte à son public. Mon public, c'est aussi l'UDPS. Mon public, c'est l'Union Sacrée. Mon public, c'est aussi l'opposition. Parce que toutes ces personnes qui ont été menties, tant qu'on va y avoir une information dans l'Okuta, Batir Abitanobike, Balobi ministre Aibi. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Mine de Pellit. Na qui ça ça n'est tout ça boué. Quelle est la route matadi? Bana ipen. Quelle est na monga fula? Na matadi kibala. Bato bako sepela. Na kimwenza. Partout à côté ma campus qu'on a à Sosa. Na wilerie na Niangwe. Na Kabinda, mine de Pelli. Na Siforko, merci beaucoup. Mine de Pelli et bato bakamui. Bano ba botami lelo. Ba mona na luminda boété. Biso bato na mo utu ndeka la tomona ka minda ya boye me bano ba pota milelo ba koma ba mesa ko tela bango minda ya kolema na balabala me bano ba pota milelo ba moni pe no lampade yo pe o éclairer neti boye biso ke na ko sa ba image bona besoin projecteur te boko filmer mo na dina ya 18 ans ya 20 ans ya 25 ans o ya pota mi je mets au défi quiconque. Bon, même na bateau tout à l'heure, mon papa, il y a l'imbécile dans la tournée moula là, la tournée, mais n'est-ce que tu as l'air? Oui. Balo, ma bota milelo, à toi, bala 30 ans, mon tenir à sa mona mouine de l'eau, au sélectionner la balabala. Qui a déjà vu? Tu as la mouine en route? Mais qui a déjà vu? Si Fatih n'avait pas eu l'idée de vous mettre ses lampes avec cette société, non, il y a un peu de temps, on a eu un peu de lampadaire. Et aux autres, on a peine à bout tout. Aux autres, on a un canda. Nanzela. Je ne sais pas si ma machine va s'y faire. Côté bateau, on a eu un peu de temps. Mais on a eu un peu de temps. Et diminué. Maman, la commerçante, on a eu un côté à l'aise. Maman, on a eu 2h, 3h du matin. Pas dans le dossier, on a eu un peu de temps. Écoute, le fourrage, c'est le gouvernement. On a eu une idée. Il y a eu une usine. De purification, bah, unité de purification, bah, unité solaire, c'est-à-dire que ça a un mot, dans le bas, on a dit, la régie des eaux, il y a Mike, dans la province d'Abino. Mais quel est l'autre qui a osé faire ça, ça? Et puis, il y a un bateau moqué. Mais les lots ont une vérité, Bimi. Tant qu'il y a un bateau qui parle, tant qu'il y a un micro, tant qu'il y a un bateau. Tant qu'il y a na wileri to cha micro to tout là to que na chambu lelo je pense même que moto oyo aluke di bazuzi ba problème. Je vous dis la vérité, bazuzi ko ba interpeller, ko ba interpeller Nicolas Gazadi ba ko no sambi se nani parce que neti ngai boy na za ba dossier ba preuve bilo ko nyoso tout même so ba benga lo la témoin na ko kende tant bozo foutre ba journaliste ba ko finga ngai c'est bien beau mais j'ai demandé un débat contradictoire. Mais non, et c'est la pièce contre pièce. Bon, on voit ça tata na binowana, après ça binoba preuve ya ça OK, Nicolas Gazadi yibi mbo. Comme ça binoba ya nango, biso peto ya nango. Déjà, ne go merci nzama pa mola yo. C'est dit tant mon bima ki. Yasinaki. C'est dit au moins un jour jour ça on va que non, Nicolas Gazadi ala tofu ba kangaye. Mutani boso boso kangaye chef. Autre chose ende ko maise. Problème, mais ça coûte une à la télé. Les camouflés, elles sont les gens qui ont été publics. Ceux qui ont été publics, ils ont été publics. Ils avec le nom de la résistance, c'est le la collection de l'Aï, Nazali et Gilles Alinguete. Il y a comment vendre la bosson avant de me tata, moi, Saouti, Maïndon Baye, Albimo et Nanga, mais que tout bas parcelle, Nazar, Sombela le Pang, Sombela le Pang, madame le premier ministre. J'ai besoin de 500 000 dollars ici, tout de suite. Si on peut persister, l'homme ne peut pas d'inspecteur Baye. On regarde la région, je vais vous dire que vous avez un Libi, Aïmo Sol, Alinguete, Bajé, Aïmo Sol.
Si vous voulez batailler des pèses, vous allez découvrir en quoi. Olobi, merci beaucoup. On va prendre la deuxième question. Vous êtes déterminé à faire défenestrer Gilles Alinguette de son poste de l'inspecteur général des finances. Ici, vous êtes en train de débiter des propos extrêmement graves qui peuvent aujourd'hui, en droit, on appelle ça des allégations. Si demain, il arrivait que Gilles Alinguette vous défère devant le cours et tribunaux, serez-vous capable, ne serait-ce de prouver tout ce que vous êtes en train de débiter comme propos tout à l'heure, ça c'est de un. Et de deux, vous évoquez, vous parlez d'une femme, faites allusion à une femme, je ne sais pas cette femme, elle est qui, la femme dont vous réclamez le droit, elle est qui, elle est inspecteur de finances ou inspectrice de finances, elle est qui exactement, j'ai dit. Merci beaucoup. Nous sommes dans un état de droit, la base même de la démocratie. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt. Tout ce que Gilles Alinguette va faire de moi, je suis prêt pour l'affronter. Au niveau de la justice. Est-ce que je ne peux pas avoir peur de la justice de mon pays. Je ne peux pas avoir peur. Quand les gens se comportent vraiment très mal et nous allons pas la produire. Non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. La dame Moula, donc, elle est congolaise, c'est notre sœur. Quand nous constatons que non, elle est lésée, nous allons la soutenir, nous allons la défendre. Bon, je pense que la dame est ici. Hein. Elle est ici parce que je l'avais reçue dans une de mes émissions et je l'ai fait venir. La dame est ici. Nous allons la voir à la fin. D'accord, le temps de finir avec la communication des amis de l'UDPS. Et nous allons la voir. Je voudrais dire pour ma part, par rapport à votre question. Au fait, tout ce que j'ai fait, tout ce que je dis est documenté. D'ailleurs, j'attends. Ce qui est un débat contradictoire dans la TVT, tout le monde est un juge. Même si on a battu. C'est-à-dire, dans la minute où on est un IGF a créé un problème. Parce que beaucoup de gens se disent, je dis bien se disent, Nicolas Gazard a eu un million, mais on peut se retrouver dedans. Moi, il y a même quelqu'un qui m'a appelé, Basile. Je prends un témoin, mon réalisateur. Quelqu'un m'appelle. Il m'appelle au moins 10 fois. Non, Maïs, il faut que tu viennes me voir, j'ai des dossiers. Quel dossier? Au nom des dossiers de forage. Bon, Basile, va un peu voir. Pour que tu aies un peu de temps, tu as un peu de temps. Basile, qu'est-ce que tu as dit? Oh non, le gars, il a dit qu'il a des dossiers très intéressants. Alors, qu'est-ce que tu as un forage? Le forage, derrière ça, il y a un groupe électrogène. Alors, il y a ça, Nicolas Gazadi. Après ça, ce mot, ce mot, groupe électrogène, tout tient à mon naba, comment on appelle naba, comment naba, commune et localité, place, bah, tchaïba forage naba, comme ça, bah, on va voir que Philippe, bah, on va voir que forage naba, j'ai dit à Basile, moutawa, il a dit moi, ou bien Zanine, qui lui a dit que Nicolas Gazadi a besoin de forage, ou il a que de justifier, parce que la personne qui a gagné le marché, ce n'est pas Nicolas Gazadi. La personne qui a gagné le marché des forages, même pas des forages, des unités, d'accord, de purification d'eau, c'est la société de M. Mike Kasseng. Bon, d'où viendrait que Jules, comment je veux dire, d'où viendrait que M. Nicolas Gazad irait sortir de l'argent, va payer sa mouton à son groupe électrique. Ça, c'est les Quinois, ça, c'est les Congolais. Mes chers frères, changeons. Mouton est qu'on y a été, à bandit qu'on débitait ma Kamounaïe sans preuve. À l'objet, assis, c'est plus bien de terminer à Balabala pour dire que le bon nom est le bon. Est-ce que vous pensez que les juges, tant que vous avez dit que ça m'a dit, sur base de clameur publique, le juge peut être intéressé parce qu'il y a eu clameur publique. Mais quand il va commencer à juger la personne, pensez à Mikanda. Et nous avons, moi j'ai écrit à l'IGF, on a reçu la réponse, une lettre creuse qui ne me dit rien. Oh non, l'inspecteur général des finances n'est pas habilité à vous donner les éléments de son enquête. Je suis d'accord, mais comment les autres journalistes là, ceux que vous payez, ont des éléments? Ils n'ont même pas des éléments. Ils ont ce qu'on appelle, dans le langage de la juriste, des oui-dire. Ça veut dire, bah, y'a pas bête libre ma solo. D'ailleurs, où toi, un tel allait imbon, un tel allait imbon, bon, qu'est-ce que l'on a? Bah, y'a l'on a. Mais bisous, vous avez ce bilou, on a tel n'a pas, vous avez un tel allait imbon, y'a l'on a dit ça. Bon, si vous êtes ici, ce que tu as dit, Nicolas Gazadi, il y a qui, bon, une réflexion par l'absurde. Imaginons, posons Nicolas Gazadi, bouffeur d'argent. Il l'aurait fait de quelle manière? Parce que l'argent a été payé, il y a un bon, il y a un lampadaire. L'argent a été payé
directement du compte du Trésor public sur, un, les premiers 30%, le compte de la société Solectra. Les 70 autres dans un compte séquestre, le ministre a demandé, à ce qu'il a instruit, à ce que moi, on a fait un malamment qu'on a fournisseur, sachant évidemment le comportement mauvais de l'homme congolais. Maintenant, je vais vous surprendre. J'ai une lettre ici, la lettre écrite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, demandant au ministre de lui donner 30%, 40% de cet argent. Yamoyo, signé Gentilin Gobila, voilà la lettre. Voilà, Yamoyo, bon, qui a bouffé l'argent? Ou qui voulait bouffer l'argent? Si Nicolas Kazadi était, comme on le dit, un voleur, pourquoi Gentilin Gobila demandait qu'on lui donne 40% de cet argent? Pendant que la société qui a gagné le marché, c'est une société connue qui est là, qui a aussi un compte bancaire. Réfléchir encore le roi n'est pas ce boyer, mais t'as pas la barre à bon n'est pas gagné marché naïe à Zalia après la compte bancaire naïe. Pourquoi vous devez demander que on a besoin de 40%? Bah tiens, on a compte, il y a hôtel de ville, la compte à fonctionnement. Pourquoi? Et encore, je vais vous surprendre. Bon, c'est qui n'a noté quand il écrit au ministre, il écrit aussi à l'IGF et j'ai la réponse de l'IGF. L'IGF accepte. L'IGF accepte et demande à ce que cet argent lui soit payé. Je vais lire. Nous marquons notre accord de paiement de la, du deuxième à compte sollicité, soit un montant de 5 447 000 $. Ça, c'est l'IGF qui écrit et qui demande, qui accorde que l'argent soit payé à Gentilin Gobila. Pourquoi? Bon, maintenant, qui a volé? Parce que cet argent, le ministre avait refusé que Bafoutaïro l'Argentine Gobilaté batine directement sur le compte du fournisseur. Imaginez, par la même occasion, que moi, Bafoutaïro l'Argentine Gobilaté, le tonato sur la maquille, le bon rabot, mon lampadaire, ils auraient eu raison ou pas? Alors, vous dites que tout ce qui est sorti de l'enquête de l'IGF, c'est faux. Et que vous avez fait vos enquêtes sur terrain. L'IGF dit, selon certaines informations, qu'il n'y a pas eu le nombre de lampadaires tel que exigé. Alors, vous avez fait vos enquêtes sur terrain. Il y en a eu combien? Sur... je crois 23 000 lampadaires. On parlait qu'il y en avait eu. C'est Belisangaï. Au moment où on m'a mangé IGF, il paraît. Au moment où on m'a ramené sur IGF, il paraît. C'est honteux. Non, mais on parlait des nombres des lampadaires. Mais on a lobby. Il y a la maille enquête, il y a IGF. Aux Zali Koloba, là la question va prendre dans un endroit. On a 5 journalistes, nous sommes sur IGF. Je parle de la société Soltra. Oui. Monsieur Sam, oui. Il a dit que c'était 25 000 lampadaires. Non, non, non. 2594. Voilà, oui. 2500. Oui. Vous, maintenant, en allant sur le terrain, vous avez découvert que c'est combien? Mais c'est 2594 parce que j'ai le contrat, j'ai même publié le contrat. Oh, mon cher ami, est-ce que Monsieur Samba Batili, la société Solectra, peut avoir obtenu de l'argent qui n'est pas sur le contrat? Dites-moi, en toute logique. Monsieur, est-ce qu'il peut avoir obtenu de l'argent qui n'est pas sur le contrat? Mais alors, il a signé un contrat. Le contrat dit le nombre de lampadaires et le montant de l'argent devant lui être versé. Sommes-nous d'accord ou pas? Bon, maintenant, quand l'IGF dit que ce n'était pas 2000, c'était, admettons, 5000, qui doit prouver que c'était 5000? C'est l'IGF ou c'est Samba? C'est qui doit prouver? Non, c'est l'IGF. Mais alors, mais que l'IGF où? Maintenant, comment j'écris à l'IGF? Je dis bon, tu as occupé nous, on a un journaliste, on a eu au Futaka. Pesabiso va épreuve, n'est-ce pas qu'il va le barrer? Pesabiso va épreuve, toi, il va faire la comparaison, n'a pas information, mais tu as un. Non, non, l'IGF n'a pas le droit de vous donner. Mais si tu n'as pas le droit de donner ou de publier, pourquoi tu publies? Et pourquoi tu condamnes les gens avant la justice? Si tu as déféré Nicolas Kazadi devant les juges, parce qu'il aurait, selon toi, bouffé de l'argent. Mais pourquoi on parle de Nicolas Kazadi sur les médias? Pourquoi? Attendons
les juges, les juges ont établi ça. La culpabilité, la innocence, il y a mon tobaï, si réellement, mon tobaï, il y a quoi qu'il m'envoie. Mais tant que les juges, il y a l'objet dans le cas de la Kamouté. Yo si vandi o bengi ba journaliste bo bandi koloba mutu wana muyibi po mutu wana botati po mutu wana za na mwasite asala bande kota za fa na bato balinga ka ete yo fo bebi sa kaka reputation na moto boye comme c'est dit le ministre des finances de ton pays celui qui est aujourd'hui félicité par les instances internationales FMI ba kubisi boti ba leni ba sa na ba communiquer ba bi banda RDC ngaité. Vous avez vu, vous êtes journaliste, vous avez vu les communiqués ou pas? Ils ont publié depuis RDC, Tobanana, ma ministre des Finances. En tout cas, Bango Moutoro, Bango premier ministre des Finances. Quoi, comme si vous êtes dans la 6e revue, c'est Nicolas Kazad. Mais nous, on est dans la télévision, FMI, vous avez dit, Azo Yib, si vous avez un matériel, vous avez un matériel, vous avez un FMI, vous avez un service, ok? Le FMI a dit que Nicolas Yonde a été découvert. Il y a une preuve, tout seul là, pour que nous soyons formés pour que ça soit mis là-bas. Mais il y a un souci dans ce pays. C'est une... Pourquoi il y a un souci? Ma démarche vise à dire au peuple congolais une chose. La première chose, au moins dans mon kirinde, tout d'abord, ministre de la Finance, on va lingara. À la faux ministre de la Finance. Ce qui est un message, on a repris la chef de l'État. Oui. Na Katia Mboka, ce que mon ministre de la Finance, c'est un bon ministre de la Finance. Et c'est partout au monde. Dans le monde. C'est-à-dire que ce qui est mon ministre de la Finance, c'est un bon ministre de la Finance. Oui. Donc, les loyaux, les Congolais, ils ont ce que. Je ne sais pas, mais ça n'a pas cité dans ma phrase. Nous sommes passés à côté d'un deuxième mandat prospère de Félix Tshisekedi. Nous avons eu Nicolas Kazadi. Oui. Je vous dis. Parce que, pour la première fois, voir que Mindele, Bakoukoumissa RDC, depuis 1960, Bakasabou, Mundela l'obéité, Nicolas Kazad de l'équipe, on peut se retrouver et redouter. Attends, Moko. Tout ce qu'on ressent à ta tongate. Bon, on va tout passer à l'effiser, tout le monde est redouté dans le. Est-ce que nous sommes sérieux, nous? Parce que les gens sont investis dans la tête pour nous. Mais quand on fait ça pour la Félix, pour la Félix, le pouvoir passé, Makamouba Salaki, est décrédibilisé Mboka. Si vous Félix, n'a pas tout naïe, vous allez vous crédibiliser Mboka, qu'on repère sa biso une certaine image positive vis-à-vis des instances internationales. Mais, Batoyo, Namolilo, vous allez vous contre, vous allez vous opposer. Vous allez vous contre mon boulot, et c'est vous allez vous contre. Le gars il doit être arrêté parce que tu n'as pas le droit de vilipender, de manquer de respect, d'insulter. Moto Zouzi a condamné, t'es condamné parce que tu es qui? Merci beaucoup. Ma question va directement. Je vais directement la poser à M. Maïs Tshibangu. Vous vous êtes présenté comme étant un journaliste d'investigation. Et si cette affaire de forage et lampadaire a pris autant d'envergure dans l'opinion publique, c'est parce qu'un autre journaliste d'investigation de renom en a fait toute une polémique, on a fait beaucoup d'émissions. Je ne me permets pas de citer son nom. Mais votre approche est la sienne. Ne pensez-vous pas qu'elle soulève plusieurs autres questions, notamment celle de l'instrumentalisation de la presse ou encore des médias et l'instrumentalisation de la justice? Parce qu'aujourd'hui, l'affaire a été emmenée devant les cours et tribunaux. Ne pensez-vous pas que M. Maïs, ensemble avec nos frères de l'UDPS, les communicateurs de l'UDPS, ne pensez-vous pas que vous allez tomber dans ce qu'on appelle en droit outrage à une enquête judiciaire? Ok, je pense que, madame, merci beaucoup. Oui, je pense que, non, je vais d'abord répondre à la question de madame. Vous savez que, quand on dit journaliste, hein, nous sommes quelque part aussi
si je peux le dire comme ça, au sens figuré des auxiliaires de justice. Nous sommes consultés, hein, ne vous en faites même pas. Même les renseignements nous consultent. Parce que nous apportons l'information. Même les renseignements. Nous apportons. Même cette justice, elle a besoin de nos enquêtes pour compléter leurs informations. Deux, madame, regardez-moi en face. Vous faites une comparaison qui me fait peur. Et je voudrais parler ici à la jeunesse congolaise. La personne dont vous venez de parler, celle que vous appelez journaliste d'investigation, vous emmenez quelle preuve? Quel document? Je demande à tout le peuple ici. Et là, on est les journalistes. Voilà, il y a les bino, la preuve, ton document, la guise bino. On le dit? Bon, est-ce que les bruits sont une preuve? Madame, est-ce que... Non, tout cela, en toute vérité... Non, on a lobby boyé. Avant tout, il y a instrumentalisation. Lequel, je demande à tout le peuple congolais, lequel a vu, ne fût-ce qu'un petit cheveu, un bout de preuve, un bout, que bon, documentel, Nicolas Gazadi, Yagimbo, et le hôtel, et le... Journaliste d'investigation, d'abord, ça veut dire quoi? Et ça, tout ça, on reste filmé par Bonobo, aux yeux avions, au film, on a dit, on a pygmé, on est dans un journaliste d'investigation. Et c'est quand tu donnes le micro pygmé, ça veut dire que tu deviens journaliste d'investigation. Bon, dans l'lobby, hein. Mais nous avons des références. Je m'appelle Maïs Tibangou, madame, regardez-moi. Moi, je m'appelle Maïs Tibangou. Vous aviez peut-être un an ou deux. J'étais à Kaemba là-bas. J'ai défendu la RDC. Il y a une guerre entre le Congo et l'Angola ici. Que j'ai évité à la RDC. J'ai des références. C'est-à-dire, quand je dis je suis journaliste d'investigation, ce qu'il a commis, j'ai des références. J'ai des références. C'est-à-dire, dans le web, enquête au Ngamna Sala, na Kenatina Angola, na caméra boy. Bon, Yangoyo, Angola Yangoyo, allez. Boya, ma géographe paye. Ma archive, tout terminé. Les députés, ma tenue au sotou, papa, yom ta archive, loba. On a 1948, le roi Léopold, Tambayaki, Basaki, allez, tout bande, mesurer latitude, longitude. On était Angola imité, bon, les Alibé, Bakamata, bon, Bache Sima, Batunin, Baoposa, Bayaki, Bongo, Bachaki Sima, ne Basali, il fallait pas fonder Kabila, soit pas fondier, et au Bimsamoumoulou, on va avoir pouvoir. J'ai démontré ça, j'ai des références. Je viens de faire il n'y a pas longtemps. Natri Magamoussous, Dazoua, oh, peut-être Yomoni. À Manono, un documentaire. Le projet Manono qui totolo. J'ai encore sauvé la RDC. Évidemment, Ngaï Mouroté. Mais mon travail a contribué à sauver la RDC. Nous avons récupéré le lithium congolais. Oh, Batona, na Tato Zaki président, à Tegelaki Australien. Nous avons récupéré. Est-ce que monsieur Moyo Kingaï. Gouvernement Benga, le nom de papa. Tu peux soit ta. Bon, à ta coupe, à ta libre dans Mouamba. En gage de remerciement. Bah, qui pourra lui sauter. Mais ça va se battre, ma quelle est le. Oh non, je réalise l'investigation. Ça veut dire quoi? Bon, yom to yébi. On s'en a la référence. Et là, on a une investigation, mais ça mena. Il y a normal qu'on va amener par personne qui n'a pas résultat, n'a pas de document. Parce que les investigations doivent être accompagnées des documents. Documents filmés ou documents écrits, des preuves. Parce que nous devons soutenir nos allégations sur des preuves. Mais tout ça, vous comprenez. Madame Nyonson, on a dit Sabino. Même si elle est là, elle est là. Na ke ko samba, na ko la ki Sabino. Est-ce que vous savez que je peux même. Non, vous prendre un abeille de français à télé sur ma lampadaire. Nassolo, il a un téléphone, maman. Et à combien il y a un moukanda? Il n'y a pas pour attirer ma lampadaire. C'est ça l'investigation. C'est le jour où on a pris un lampadaire. Nati, dans la guise bible. Tout ça, c'est le Congo, tu as même mis tout là. Tout ça, la bino nini. Botika pour la naraba spéculation. Ni oui dire. Balobaki. Bakendeki, Bayezalaki Boe, non. Ce qui journaliste, même Ngaï, vous savez, madame, même moi, quelle que soit la foi que vous avez en moi, le jour où je vais vous dire quelque chose, demandez les preuves. Même les apôtres de Christ, tant que Bakotea, le peuple était assis, Bazali Kotala, ce qui m'a dit, apôtre Bakoloba, et ça dit, conforme, comme la Bible, mais tu vas qui te dire, quand on dit, dis-moi. Pour mon lata, on l'a monté à la Tékourouzou. Cette démarche, je l'entreprends effectivement parce que je veux apporter de la lumière au peuple.
je veux apporter la lumière au peuple. J'aimerais que le peuple congolais, soit le dit Tolamouka, c'est-à-dire Tolamouka ya solo. Et ça te que Tolamouka, Moutana a besoin, mon boulet bima. Qu'est-ce que vous imaginez, madame? Vous êtes dans un pays, un journaliste passe à la télévision, il demande aux gens, bimbo, on a bien mon balabal. Est-ce que nous sommes sérieux? Pendant cette période où nous sommes attaqués par le Rwanda, un journaliste va venir semer le trouble, Koufa. Est-ce que c'est de la responsabilité ça? Quand on aime son pays, on peut demander. Maintenant dites-moi, vous dites que vous êtes avec Tshisekedi, en même temps, vous demandez aux gens de sortir de sa trouble. Oh non, Mbokeza la guerre, Bamba Kamati, 13 millions, Babimisi Batina Balambadé. Et puis il y a 13 millions, et puis il y a 100 millions. Au moins, maman, t'as pas Sabino, Ngobila, dans le mandat de Mbimba. Les contrats qu'il a signés, Namarmaba Lampadaire, ils ont à peu près 100 millions de dollars. Avec des lampadaires ayant coûté pour le plus cher 21 000 dollars. Si il y a 21 000 ouana, il y a 6 000, il y a 9 000, Bazel Obelangote. Parce que, pour moi, il s'agit de Babimisa dossier, il va nuire la réputation à chef, il va nuire la réputation à Nicolas, Babimisa va nuire la réputation à Nicolas, il va nuire la réputation à Nicolas, il va nuire la réputation à Nicolas, il va nuire la réputation à Nicolas. Vos mots ne vont jamais entrer ici. On vous connaît. Alors, monsieur Maïs Tshibangu, cette question dont vous soulevez, oui, avec bien évidemment celui de l'UDPS, a beaucoup de facettes. C'est vrai, vous parlez de Jules Alinguete, mais il faut savoir que non, au contraire, hormis Jules Alinguete, il y a beaucoup des acteurs qui sont bien évidemment mêlés là-dedans. Alors, mais vous mettez un accent bien appuyé sur Jules Alinguete. Je voudrais savoir précisément, de façon réelle. Recommencez, s'il vous plaît. Laissez-moi aller. Je voulais savoir, de façon réelle, de quoi reprochez-vous à Jules Alinguete? De façon claire, vous le reprochez de quoi précisément? Cet homme, dont vous avez cité le nom, est un surnuméraire. Et je pense que, par rapport à ce qu'il est, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Dans notre pays, nous avons besoin, un, de décourager la désinformation. On ne peut pas, à chaque fois, appeler les journalistes pour désinformer la population. Nous devons décourager la diffamation. C'est un OPJ. Il ne peut pas diffamer. Selon la loi, Yakoyo Kayo, Balobi, Tala Makambo, Bafundio. Ako kamata yo ako tinda yo npa na zuzi. Zuzi nda kolo banabiso soko yo wali moto babe. Non, bah la français tu en lingala. C'est le juge qui établit soit ta culpabilité, soit ton innocence. Mais d'où vient que lui s'abroge le droit pendant que le juge n'a pas encore établi la culpabilité de quelqu'un de commencer à le diffamer à la télévision? Mais regardez comment il parle de gens. Regardez même son attitude, quelle haine! Avec l'argent de l'État, avec le pouvoir que l'État lui donne, il s'abroge le droit de mettre l'État à nu, soi-disant qu'il lutte contre la corruption. Est-ce que c'est juste ça? Non, je pense que la justice devrait arrêter ce genre de personnes. Je pense en tout cas à mon humble avis. Hein. C'est-à-dire que Babenga, Bisoto Kendeto Samba, a expliqué biso neti ngaboye sili neti tanga ho sambisa nikola kazadi babengi nangai na yotala jour sur ina yo kanan personne c'est dit que ba prouver ba bible ah mutona yibaki na moni que bon classe on va fouter là là et papa na biso kosaki. C'est pas normal. Est-ce que vous n'avez pas entendu ou vous n'êtes pas au courant ou vous ne voyez pas qu'aujourd'hui le pays est en danger grâce ou à cause de cet homme? Parce que s'il faisait convenablement son travail, nous n'aurions pas entendu parler de lui. Est-ce qu'on a besoin même d'entendre parler de lui? Dans le monde, que les Congolais me disent, quel est l'inspecteur général des finances que vous connaissez? Dites-moi, maman, journaliste, dans le monde entier, combien d'inspecteurs des finances n'y a-t-il? Bête à ton internet. Sur tous les pays du monde, maintenant, on se marie à trois. Il y a des TVT, il y a des gens qui sont leaders. Il
Comme vous parlez, c'est-à-dire que vous allez convoquer le gouverneur, à convoquer le ministre. Mais il se prend pour le président sans vous le dire. Il se prend pour le président sans vous le dire. Voilà. Donc, je pense aujourd'hui que le peuple congolais doit savoir que nous sommes en danger parce qu'il y a un homme qui est président sans avoir été élu par le peuple. Tout le monde le sait. La seule personne que le peuple congolais a élue s'appelle Félix Tshisekedi. Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est la seule personne qui a été élue. Les autres, là, vous n'êtes pas président. Vous avez reçu mandat et vos mandats sont limités dans le temps et dans l'espace de l'exercice de vos fonctions. Donc, vous en restez là. Et tout ce que vous faites en dehors, c'est infractionnel. Je pense que vous allez donner la parole 2 minutes à la dame. Vous excusez et puis on va clôturer. Ok. Je vais clôturer avec un mot avant de passer à la dame. Je voudrais demander de profiter de la présence de nos amis de l'UDPS ici. Ndegonangai. Nambouka. UDPS, Bosengeli Kobat est la chef de l'État. Et je pense que UDPS au Bissoto, évitant autour au Kola. UDPS à Bakiba, à Maliba. Yaba Mobake. Et UDPS au Bino Guanamotele. Boutique chef d'État, au Bundaye Moko. Bato Bautina Nzala, au Tomoni Bamounenge Baye. Ma pouvoir n'y a pas de pèse à autorité. Si c'est que la Kamata a dit dans le monde, il y a ministère de la finance pour vous rattacher dans le monde. Il y a un peu de malade. Bah, on va commenter la commune. Tout va se dire. Mbélina Mokongo, Akoufa, bah, on va pas Kamata et bon, on va comme un chef d'état. Binona, il dépèse mon vani beaucoup travailler. Il dépèse boutique à ma cambouille. Je pense que vous êtes le parti. Oh, que Toyebi à la Congo, vous allez partir. Mais démocratie, mais c'est libre revendiqué et c'est libre l'accès bino bateau au PC Félix Tshisekedi et bon moi l'île est là et c'est libre protéger beaucoup protéger été et c'est le coup que moi n'a moqué Dominique Kandoaz à l'élo à tout bengi secrétaire général nanaï à bique au azali n'a pas été tomba. Abunda solo solo a mobilisé ma Congomane, a mobilisé ma naïve de PES. Mais ma tête système n'a pas de problème. D'abord, je suis en train de me dire que 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 je suis en train de me. Bah, si monsieur moi, on a un placement au boulot, on vend des kimia. Mais, tu as dit que moi, cette fois-ci, je fais appel aux honorables combattants et combattantes. Vous incarnez des valeurs. On doit honorer et tient ce qu'est du Wamuyumba. Nous allons honorer en disant non aux antivaleurs. Bon, si on a la mission, elle est tengue. Tossi, mon okozambo. On a dit si nous avons le pouvoir, je veux te perdre dans l'eau. Batman a tant de fois la mitaine pour la mission de combattre l'IDPS. Ma commission opération pour la combattre l'IDPS. Dans la mission de l'Ambo, on se bat à passer pour te. Token de Wapi. Ma mission va se battre avec monsieur le Béret, mais on quitte l'exil. Mais monsieur, partout, on va dire que l'IDPS est là. T'as l'IDPS est là. T'as l'IDPS est là. T'as l'IDPS est là. Tu vas lancer la mission opération pour la combattre l'IDPS. Tu vas se battre. Parce que tu as contribué à ma bête. Batman a conseillé la bête de vendre des kimia. Non. Cette fois-ci, ma conseillé la bête totalement. Totalement. C'est ce que nous avons dit. Tout ça là, tout à l'heure, ventilé le sol en tombeau. On s'en a mis la bilingue. Bah, commissaire, nous en boucle. Tout à l'heure, la bango. On a mis que non. Bisson. Oh, voici mon sali. Chef de l'État, la habité. On a un expert. Bah, Babylon, on a imaginé tant que nous tout est. Donc, on a un laboratoire. On m'a dépôt au ministère, chef de l'État. Mais là, nous avons un sambo. Prier et zéro. Tout à l'heure, on a. Je vous assure, vous allez voir. Bon, ça quand il faut 5 ans, on m'a mandé chef de l'État, la commission me pose un bon besoin de rien, mais cette fois-ci, ça c'est le second mandat. Je n'ai pas d'amis. Notre ami, c'est celui qui travaille dans la sincérité et qui est honnête vis-à-vis du chef de l'État. Merci beaucoup. Je pense que nous allons prendre la dame rapidement. Bandegoa UDPS, je réitère en tout cas, parce que Bissot, je réitère mon appel,
Je suis parmi les jeunes qui ont sacrifié une partie de leur jeunesse pour l'UDPS, pour le combat de l'UDPS. Et là, nous sommes jeunes. La jeunesse montante, il y a UDPS, il y a une responsabilité. Il y a beaucoup de lions dans la bergerie. Ceux qui ont une responsabilité, je pense que Nicolas Ezaroya est mal à monter pour Nabino. Donc, tout ça, c'est que je suis mal à monter pour la chef de l'État. Na bato nyo sotu ya mo ya milinga minga pe mugulu bakoti na kati ya mboka pe autour du chef de l'état pour na rubelisa pour voir ya Félix Tshisekedi. Merci. Alors to ya mama oyo nde kwa lobaki mama oyo elaki bato na IGF information to kozwa quelques minutes. Je pense que Joyce moko bibale ba retourner ba question à répondre bino pe boyo kae. Non, nga la tikele bino botuna mama yeyo Omo kilele ba komo fingela ngai balobi pona nini na yambie pona nini na pese micro pona nini na tiki ya loba eloko nini ya sali na tiki bino pe ba journaliste boyo kaye soko pa ko kosa soko pa ko ba vérité bino moko boko loba. Est-ce que c'est un domaine que vous maîtrisez ou vous êtes quelqu'un qui a pris juste le courage de travailler dessus? Et on a parlé que vous avez fait juste 3 jours de travaux pendant que Malte Chibaron qui a fait l'enquête pendant autant de peut-être de mois ou de semaines. Comment vous avez fait réaliser ce rapport-là dans peu de jours? Merci. C'est un rapport que j'ai fait pendant 3 jours, mais on m'avait donné quand même 2 semaines pour travailler par M. Jules Alinghetti et le PG de la Gombe. Donc, j'étais contactée pour rencontrer M. Jules Alinghetti par rapport à mes dénonciations qui datent de 2021 et comme ancien agent de la CGT. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler le document dont vous avez vu M. Maïs avait publié dans une émission qu'on avait fait ensemble. Oui, parce que le rapport qu'il avait fait le 15 février 2023, c'est un rapport qui était erroné, je l'ai toujours dit. Les montants de projet étaient vraiment, vraiment erronés. C'était des montants, je ne sais pas, ils avaient enlevé ces montants ou de projet. Et quand on m'avait fait appeler à l'IGF, je suis venue avec de contrats de ces projets qui étaient originaux avec des rapports internes de la CGT qui avaient piloté les mêmes projets. Donc c'était comme ça. Je vais compléter. Elle avait commencé à faire ses dénonciations. Le rapport de l'IGF viendra après. Elle remarque que il y a des différences. C'est ainsi qu'elle approche l'IGF pour pouvoir amener les éléments qu'elle avait. Il faudra dire que ce dossier nous intéresse au plus haut point, parce que je voudrais, moi, faire remarquer à la population congolaise, à l'opinion nationale et internationale, que toute la confiance que nous mettons sur l'IGF est une confiance qui ne devrait pas être. Beaucoup de gens sont condamnés, beaucoup de gens sont diffamés, beaucoup de gens voient leur réputation, bafouée par des rapports qui ne sont pas bien faits. Est-ce que toi qui ben ngopé na IGF ya solo IGF on la xani inspection générale de est-ce que inspection on a basala ngopé na correctement? Parce que remarquez bien, à chaque fois que basala inspection que basala contrôle ta ba ministre rapport ngoso comme na bazuzi ezaka ke mutonga bimi tout le baque justice na biso et ça la musala mabé. Tokuna biloko ngoyo utaka nde ali côté na mabé nde biso to s'intéresser na madame Tobibo yebisa biso ndi kamono ezali nde ndenge nini totali premier rapport wala biso na osala lobby bobanga te ezali lobby na osoko la bino premier rapport yangoyo bon mama biloko yo monayi na premier rapport ezala kite yango nini papa na biso bino c'est dit mboko yoko et c'est les ba congolais to fumo la biso. C'est que Moutoko y a la bino y a zali ko lutter contre la corruption, mais yé moko. La deuxième question.
J'ai l'impression que vous vous tournez beaucoup plus vers Maïs. C'est comme si Maïs a commis juge, avocat, je ne sais pas. Pourquoi vous vous tournez vers Maïs? Pensez-vous avoir des résultats escomptés par rapport à votre démarche? Et vous particulièrement, Ozo Tanga tout le temps, IGF, pourquoi? Est-ce que Ayibi Mbongo a détourné Mbongo? Tout est signé là, c'est un Mbongo. On a nos 8 et on a pêché au Kanda, au Sirik, au Binal et à la Banzela et à Ndoeke. C'est ça ma question. Bon. Par rapport à la question au Tuni, Nazo Senga, Bafuta, Ngambongo, Oyo, Nasalila Kimsala. Bon, 5% il y a un montant détourné. Ça va le bien en matière quand même. 5%. Au moins, moi, ce qu'il y a le lobby, pour mes amas célibataires, ce qu'il y a le lobby, le lobby va demander de côté. Dans le lobby, hein? Il y a deux rapports différents. Il y a le rapport qui est elle-même et la fille, le rapport du JGF. Alors, sous son rapport, le montant des éléments, le montant qui s'est retrouvé au JGF. Laissez-lui répondre. Laissez-lui répondre à la première question puis à la deuxième, maman. Bon, le rapport au IGF à Salaki, il y a un rapport moko englobé qui na rapport minier, na rapport et infrastructure, parce que c'est quand même c'est un seul contrat, mais bah, location à Bambongo c'était sur le plan infrastructure et sur le volet minier. Donc il avait juste englobé un rapport. Je ne sais pas où il avait enlevé ses chiffres, ses prix de projet. Et d'une part aussi, je remets en question aussi son rapport minier, parce que je l'ai lu. On a bien que Moussala ou Nayaki Kosala, et Salaki que Makamounio se commis polele. Donc, on a expliqué qui. Gloronio, on a dengue baïbaki. Donc, on a dengue bazalaki kokabolambongo. Oui, Nandenge Zaïk ou les cas sur terrain, que ce soit aussi Naba mission de contrôle. En fait, j'ai presque tout expliqué. Avant Naba Namsala, on a fait ça Bango par rapport à Moussou Nassina Sali. Donc, on a expliqué Bango, c'était par manque, il y a manuel, il y a procédure, nani, gestion financière. Yango, il y a eu plus de détournements parce que ceux qui basala qui manuel, au départ, ils ne pouvaient pas avoir de détournements comme ça. Ça veut dire, hein? Je pense que je peux ajouter quelque chose, Monsieur Marlon. Maman, bah nous ça, ben mission, madame Gonin. Ben mission. Il y a maman dénoncé. À Lingeti ou bien y a... Non, il y a maman qui dénoncé. Depuis 2021. Toi, on a 2000 combien? On a la zalaïté. C'est on a une Lubumbashite. Boye bagué. C'est quoi la maman Zambé? Abanda a dénoncé depuis 2021 Moutayo Kagayete. Abanda a dénoncé depuis 2021 Moutayo Kagayete. Ngape, Basil Moutabete Lengalisona. Non. Non, mon ami, maman Moro Boyazo a dénoncé. Un, Bamela Mbong. Ça veut dire, Akei, rapport, il y a IGF et Bimi, il y a Ye, Abagisi Bilo Ronaye. Et puis, je vais vous dire une chose. Remarquez bien, quand l'IGF a sorti son premier rapport, vous avez vu bah toi ACGT au Akala. Papa on a mabuina comment sous l'année. Monsieur Nikonzao. Il y avait Monsieur Nikonzao le DG à Moïse ACGT. ACGT Moïse et puis Moïse Kanga. Bah les Kanakina bah confond la biseau la top Congo. Oh, ouais. Bah qui qu'on critiquait rapport à IGF. Mais le coup la biseau na Congo. On est arrivé à nous faire croire que l'IGF ne m'a pas dit qu'on luttait contre la corruption. Tu connais ça que bah toi on a bah Kosaki. Pendant que hier qu'on révélait que rapport au IGF est justement faux et que Batoa Bazali n'a droit y a les cabal le makambo ba va saini ni balobaki mais tant que yaye après si ba les éléments na IGF ba sali deuxième rapport bon moni ba légui sous Congo est 7 milliards le rapport a été critiqué le premier il n'y a rien eu elle amène les éléments personne ne vient parce qu'elle avait tout. Alubina ne mbongo pa kabolaki. Si ko yo, mbongo e bimi ba fouti RDC. Bon pe sa ye komisyon na ye, e komi problème. Ba omi ko yo bi sa ye,
Oh, nani makam, oh, oh, balobagana TVT. Il n'est pas un célibataire. Hein? Joue à Roloba Monta. Maman m'a demandé le téléphone. Oh non, est-ce que nous pouvons avoir ton numéro?